Comme téléspectateurs, spectatrices, déboutant de musique ça, connaissez le ministère de la promesse qui rentre la caillou, qui toujours fait appel à vous-même, qui a demandé pour venir, venir joindre Jésus. C'est le but, nous, c'est l'objectif, ministère de la promesse, annoncer l'évangile et faire connaître que Christ toujours a une place pour vous-même. Je dis à nous un privilège pour nous avec nous, servante le Seigneur, mettez bon côté, madame, moins en moins. Il est avec nous et l'a salué et il va prier pour vous-même. Moi salue tout le monde qui a regardé l'émission ça dans le nom précieux de Jésus et me content je dis encore pour moi ensemble avec vous dans le grand travail ça que le Seigneur a confié nous. En nous baisser tête nous pour nous capable prier le Seigneur. Bon étant donné Père céleste papa nous qui dans ciel là nous bénissons. Merci pour grâce au Seigneur, merci pour miséricorde. Merci Seigneur pour ce fait pour nous, ce qu'on continue à faire pour nous. Merci Seigneur pour la vie nous que vous cachez chaque jour, pour sécurité que vous bannez nous Seigneur, nous pas payer rien pour ça. Nous nous merci tout Seigneur Dieu pour chaque bagaille qu'on fait dans la vie nous que nous pouvons connaître. Papa t'en prie dans minute ça nous remet émission en amont Seigneur. Servir avec serviteur Seigneur Dieu qui pourra parler dans nom. On va déverser plus grâce sur lui, on va aller plus onction davantage Seigneur. Afin que chaque mot qui va dire Seigneur Dieu, il va tomber éternel Dieu dans le cœur qui besoin. Papa, attendez, crie-nous dans une minute ça. Nous pas prions parce que nous bons, mais nous prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous comptons encore pour nous avec aujourd'hui, hein, son joie et son privilège, le Seigneur accordé nous. Il y a une opportunité pour nous porter l'évangile à la caillou, quel que soit à côté où il est connu là. Et c'est même sujet à nous développer, comment affronter l'ennemi. Je dis à nous dans le 9e épisode là, qui c'est la ceinture de vérité. Nous allons rentrer dans une partie qui est vraiment profonde et importante dans le sujet que nous avons développé. C'est côté où nous connaissons qui âme qu'on doit posséder pour capable vraiment animer ou dans le combat spirituel. Nous dit ceinture de vérité. Côté nous joignons, madame pasteur, si nous voulons parler de ceinture de vérité, est-ce qu'on a un verset ou capoté pour Mounio qui peut montrer nous côté nous pour joindre ceinture de vérité ça? Bien sûr, pasteur. Nous avons joué ceinture de vérité ça dans Éphésiens 6, verset 14a. Il dit comme ça, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. OK. Tenez donc ferme, ça veut dire rester soudé. Kembe là, pas la gué. Ayez la vérité pour ceinture. Pendant que nous avons touché ceinture, ça m'a toujours songé, conseil de monde, dans la prière, nous avons toujours dit bon Dieu, baille au ceinture en Jean-Baptiste là. Ou bien baille au bot David là. Et sans penser de prière, ça, madame pasteur. Donc, on dit baille au ceinture en Jean-Baptiste. Bon. Par contre, dans quel contexte le mandel, mais pas quoi que ceinture en Jean-Baptiste là, c'est nous qui avons joindre. OK. Le labbé parlait de ceinture de vérité, c'est pas une ceinture en commun gagné, c'est la parole de Dieu pour les connaître, pour les mettre en pratique. Mm-hmm. Et c'est ça que me crois. Et si vraiment c'est ta ceinture Jean-Baptiste que moi même avoir t'as besoin, me crois il t'a réellement important
pour nous, de préférence, ta ou bien frère Jean-Baptiste, ou bien cousin, ou bien famille Jean-Baptiste. Parce que ou pas famille Jean-Baptiste, ou pas qu'à perdre du temps, gaspiller moment pour apprendre des bons dieux pour le bon ceinturon Jean-Baptiste. Eh bien, pour nous pas continuer dans l'hérésie, ça, je dis à nous pour développer pour ce qu'on appelle la ceinture de vérité. Eh bien, comme madame pasteur Sotli pour nous, et tenez donc ferme et avouerait la vérité pour ceinture. Nous prenons 9 points d'attaque qui expliquent la raison pour laquelle nous avons besoin de ceinture de vérité. Ça. Et nous dit que Satan, rôle, c'est attaquer l'Église, c'est attaquer nous, c'est lutter contre nous pour ne pas arriver à réaliser rien. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul t'a expliqué ça déjà dans 2 Corinthiens 10, verset 4-5, les âmes que nous avons bataillées ne sont pas charnelles. Et ce sont les âmes spirituelles. Et Paul enseigne encore, dit, nous devons gagner les âmes de Dieu. Nous dit que Satan a essayé d'attaquer premièrement. Première attaque, Satan l'a essayé d'attaquer réputation et crédibilité, bon Dieu, quand est-ce que l'homme fait bon Dieu confiance. Depuis l'homme met confiance dans bon Dieu, l'a pas attaqué crédibilité, bon Dieu, l'a attaqué réputation, bon Dieu. Tandis ça me dit là bien. Si Satan attaque réputation et crédibilité, bon Dieu, parce que l'homme fait bon Dieu confiance, qui est-ce pour Satan pas attaquer? Lui montrer où l'homme fait bon Dieu confiance, lui vient paraître devant avec quelques bagailles pour le montrer que ou sous mauvaise voie. Satan a essayé pour le faire perdre confiance. C'est ça que fait chrétien a besoin armé de la ceinture de vérité. A voulu dire besoin qu'on la parole. Pour le Satan vient bon bluff pour qu'on coûte au campé. Et c'est ainsi que mon frère, madame pasteur, gagne deux versets comme preuve que le pral lit pour nous en premier lieu pour le montrer nous côté que Satan a attaqué et la crédibilité de Dieu, l'homme fait bon Dieu confiance. Et mon frère, verset ça, côté joignez madame pasteur. C'est dans Genèse 3, versets 1 à 5. 1 et 5. 1 et 5. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 5, pour continuer. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Wow. Moi, mes premières questions que Satan posait Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Ça veut dire lui mettre en doute la caille Ève. C'est ça? Lui voulait mettre en doute. Eh bien, pour Satan attaquer crédibilité, bon Dieu, pour Satan attaquer réputation, bon Dieu, lui met doute la caille l'homme. Lui fait l'homme voulait perdre confiance que gagne, non? Bon Dieu. Parce que le connaît l'orgue confiance dans bon Dieu ou fort. Et puis devant qui ça le fait là? Il dit que, est-ce que, il dit, le jour que bon Dieu connaît, où tu arrives à manger, fruit ça, yeux appauvris. Il y a deux phases dans le péché, la caille Ève. Premièrement, il y a convoitise de la chair dans lui-même. Il a envie pour apprendre à manger, yon bagay que bon Dieu, yon ab que bon Dieu dit le pas manger. Il a convoitise de la chair. Ça veut dire. Convoitise de la chair, c'est le monde qui a un désir pour la chair lui manger, sous tout sens, au point de vue de charnelité. Il a un désir pour lui gagner dans le sexe, il a un désir pour lui gagner dans le bamboche, il a un désir pour lui boire ta fia, il a un désir pour aller dans le bamboche. C'est ça que les convoitises de la chair. Et ensuite, il dit, Ève, non seulement bon Dieu connaît le jour que vous mangez, ou à yeux appauvris, là aussi, il a appliqué la caille Ève, ce qu'on appelle la convoitise des yeux. Les mettre convoitise de la chair, qu'on a le mettre convoitise des yeux. Ça veut dire yeux, Ève, pour le déchirer à droite, à gauche, pour la chercher, ça pour satisfaire, pour faire le plaisir. C'est même genre où on fait qui bien fait, bien belle, ou garde, ou dit, quête, ça a son belle fille. Quand on connaît qu'un sportif en Haïti, le regarde, surtout dans le match, ou quoi, au songe, comment on dit, le regarde, mesdames, garde une belle chabine. Et gon petit groupe Haïti lire les filles aux belles chèvres. Ça veut dire que mon courir regard li l'a regarder l'a contempler gens mon bien fait bien replète l'a regarde dol l'a regarde face li et puis l'a nourri dans lui-même non seulement chair li a nourri que le ta remé gen moun ça le ta remé rive non position avec moun ça et encore yeux tout a nourri
Nous jouons deux péchés là déjà. Convoitise des yeux, convoitise de la chair. Et ensuite, dans verset A, est-ce que vous voulez relire verset 5 là pour nous? Dieu sait le jour que le jour... Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Wow. Et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Wow. Là, il y a deux autres phases encore là. Et que vous serez comme Dieu. Nous, là, il y a orgueil de la vie. Li mette orgueil de la vie la ka Eve, ça veut dire l'envie ouais, l'envie rive dans le niveau, l'envie rive, l'envie wo, l'envie fait parler de lui, la chercher gloire. Et tout de suite dans fin verset a, nous joignons kounya là côté que li pral fait l'homme tomber dans deuxième dispensation pral rele la conscience. Yo té innocent, yo mangé zèb, yo pa konn si c'est zèb, n'importe ça yo mangé, yo pa ka distinguer yo comme bon ou pas bon. Kounya immédiatement yo pral manger fruit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Gampil moun ki di pomme, pa gen aucun verset qui dit pomme. Bible a dit la connaissance du bien et du mal. C'était non fruit, pied bois. Deuxième, non, c'était arbre de vie qui est le symbole du Saint-Esprit. C'est là nous pas jeune connait l'homme tombé dans deuxième dispensation, il saute dans l'innocence, il va tomber dans la conscience, deuxième dispensation. Connait li vinn mettre conscience l'homme en éveil. Et puisque conscience l'homme vient en éveil, yo pral vinn konn sa bien, sa mal, yo pral perdu kounye a identité innocence là. Et c'est ça nous pral essayer comprendre là, Satan attaquer crédibilité bon Dieu pour capable mettre doute la caille l'homme pour l'homme pas faire bon Dieu confiance encore. Désir suprême diable, c'est pour convaincre les hommes pour pas mettre confiance dans bon Dieu. Et me croit ou gon verset oui qui dit ça. Ou gon verset. Ou quoi c'est 1 Jean 5 verset 10 qui dit celui qui croit au fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Si ou croit dans bon Dieu, ou fait bon Dieu confiance, eh bien ou voulez faire connait témoignage la passé dans la vie. Mais si ou pas croit dans bon Dieu, ou voulez dire bon Dieu son menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son fils. Dès pour pas croit que Jésus-Christ c'était petit bon Dieu. Il était venu pour mourir pour l'humanité, pour réparer péché l'homme, pour rendre nos amis bon Dieu parce que péché fait nous ennemis bon Dieu. Il dit qu'on ou fait bon Dieu devenu un menteur. Et c'est là que nous pour laisser comprendre ruse diable. Et ensuite, ça que nous découvrons dans Jean 8, le verset 44, nous dit que la Bible décrit Satan comme le père du mensonge. Bon Dieu pas qu'à père du mensonge. Non. Dieu est le Dieu de la vérité. Amen. Jésus-Christ est la vérité. C'est ça qui fait que Jésus-Christ est la parole. Jean 1, verset 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu. Amen. À savoir que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la parole qu'on a besoin comme âme pour capable mener combattre là. Combat contre Satan. Le Satan vient pour le bon menti, ou qu'on verset pour défendre nous, pour dire Satan ou son menteur, sans penser à, c'est pas ça du tout. Jean 8, 44 montrait que Satan est le père du mensonge. Les croyants tombent douter de bonté bon Dieu, de l'amour bon Dieu, de puissance bon Dieu et de miséricorde bon Dieu et de la grande puissance de Dieu, les joignent à Satan, les lient, les marrent, les font seuls. Quand dit Bounyo, quand dit, les marrent son sisi avec Satan, les vin petit Satan. De pouvoir douter que bon Dieu est bon, de pouvoir douter que l'amour est extraordinaire et depuis que douter que bon Dieu est un Dieu miséricordieux. Amen. Et c'est ainsi que nous dit que Mounsa Kounya li cédé à Satan, li vin tomber dans le découragement, li vin tomber dans l'inquiétude, qui cap même porté à tomber dans la dépression, depuis Moun tomber dans le désespoir, li vin stressé, dépression cap prendre, Kounya li en bas Satan tel que doute a fait perdu fidélité bon Dieu, fait pas croire dans fidélité bon Dieu, Mounsa ka même rivé tuer tête li. Tout moun ou kap tuer tête yo, qui a pris de la drogue, qui a pris poison, qui a boué, qui a fait justice sous pour le consoler, c'est le monde qui a perdu confiance dans la fidélité de bon Dieu. Amen. Il croit que s'il fait ça, il est capable. Bon. Mais si il n'est pas dévié, il a fait bon Dieu confiance jusqu'au bout, bon Dieu a aidé, bon Dieu a soutenu et bon Dieu a pris soin catégoriquement. Amen. Là, on a aussi, deuxième attaque, disons, avant de nous tomber dans la deuxième attaque, là, dans 1 Jean 1, 1 Jean 1, verset 9, ou bien verset ça.
Ça lui dit. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Wow. De toute iniquité. Ça veut dire que si nous confessons péché nous, Jésus-Christ fidèle et juste pour le pardonner de tout péché il dit. Mais c'est ça le dit. Tout péché. Mais il y a des gens qui doivent faire comprendre que péché ou pas gain pardon. Il y a des gens qui doivent faire comprendre que ou péché l'exclut ou l'église, les jours où j'étais le patron de même encore parce qu'on commet oui ouais. Voilà que ou dit dans 1 Jean 1 verset 9, il dit que Dieu est fidèle et juste pour le pardonner nous tout péché toute iniquité. Deuxième point d'attaque, Satan a essayé ou est-ce qu'il a gâté victoire que nous gagnons, hein? Il a créé difficulté sur chemin nous pour ou est-ce qu'il capable empoisonner la vie nous pour le pousser nous suspendre soumettre nous aux normes et à l'appel de Dieu pour nous-mêmes. Comment il fait ça? Il manifeste ça que les persécutions, il utilise persécution, il fait moun pa vle ou, il fait moun persécuter sans pas faire moun rien. Li fait moun pas zanmi ou moun pas katande ou moun ou prend pour zanmi c'est li trahi ou parfois moun ou a parlé à fort là c'est li qui prend pour là porter l'aller et puis li met sel li met piment là-dedans qu'on y a ou vinn joine persécution sous quelle que soit forme qui existait. C'est Satan utiliser deuxième attaque ça l'a essayé gâter victoire que nous gain là. Est-ce qu'on croit que nous gain victoire? Nous gain victoire sur le péché. OK, nous gain victoire sur le péché. Qu'on y a Satan deuxième attaque là, c'est victoire ça, la presse il a fait perdu. Troisième attaque Satan fait contre chrétien yo, la PC créer confusion avec fausse doctrine de la prêche. Par exemple, la PC prêcher fausse doctrine, laisser mettre confusion dans mitan yo. C'est ça qui fait qu'on y a nous jeunes jodi a, nous gon paquet problème dans l'église parce que gen moun k'ap chercher délivrance facile. Gen moun k'ap chercher servir bon Dieu un bon Dieu facile et a penser yon l'évangile facile. Maintenant Éphésiens 4 verset 14, il dit moun sa yo, ce sont des moun flottant emportés à tout vent de doctrine. N'importe sa moun nan vini, li nèg gwèl. Amen. M'songe moi même avant nan le réveil, ne pas dicter qui boit. Mais pendant que on prédicateur qui a prêché là, dit on série de bail qui pas ça, qui pas dans Bible. Et puis tu gros sec qui ta côté là qui a prêché là, ouais amen amen. Dit oh, mais bah ça pas dans la Bible. Me songe sur ça dit oui, madame pasteur. Ça prédicateur a dit pas dans la Bible. Laisse ça me gros sourire, pas sagesse ou pas répondre ni. Mais moi c'est pas faute même senti me vexer pour me tendre mon bail mentir sur le bon Dieu parce que Bible est clair. Et n'importe gens prêcher mon n'importe ça yo ba yo prend pour qui ça parce que yo pas prendre l'école du dimanche yo pas prendre l'étude biblique yo pas li bible yo pas apprendre. Satan attaquer moun sa yo pour capable faire quoi dans tout l'évangile. C'est ça qui fait une série de chrétiens dans l'église, c'est une série de monde qui gonfle yo gon l'évangile vent mené qu'on est dans pays nous gon ba yo du gonflement pachiment pas gain té au prend pour guérir. Ça veut dire les moun prend toute bagaille. Li pa konn sa gonfle, li prend tout l'évangile li jwenn. Li pa konn sa gonfle la. Kounye a les moun sa fin prend l'évangile ki gonfle sa, li vin gon gonflement pachiment, li difficile pour tire moun sa nan hérésie pour vin menel dans la vérité. Et pas facile pour moun sa armel de la ceinture de vérité parce que le pap kwen nan vérité, al fin déjà gaspiller dans mensonge là, la plus kwen nan mensonge que dans la vérité. Et ensuite nous jwenn quatrième attaque, n'a mande Jésus a préparé pour nous pour musique s'il vous plaît, pour nous propose. Quatrième attaque que Satan appliquait contre le peuple de Dieu, il mettait obstacle dans le service qu'il a fait pour bon Dieu. Il mettait obstacle dans le service qu'il a fait pour bon Dieu. C'est alors nous lit dans 1 Corinthiens 16, le verset 9, il dit « Il s'oppose au travail de Paul comme des adversaires. » Paul a prêché la vérité, qu'on y a nous joindre, Satan mettait des faux prophètes, des faux prédicateurs pour opposer à travail Paul a fait attestant que Paul pas prêché la vérité. 2 Corinthiens 12 verset 7, nous voyons que Satan mettait une malingue, une écharde dans la chair de Paul pour capable souffler Paul pour faire Paul pas opulent, pour faire Paul pas avoir accès pour bailler l'évangile. On connaît des monde qui garde monde sur apparence. Premièrement Paul, c'est un qui était tout court, tout petit, un tionyon, c'est ça qui fait reler le Paul, mon Paul là signifie petit. Physiquement, monsieur pas gros physique, on est qui coûte qui pas un gros garçon, ça veut dire tête monsieur gros ventre lui. Gros mais gros ventre petit pied le fait. OK? Plus il gon malingue dans pied. Et d'après la Bible, malingue là t'est venir arriver dans moment l'infecté, il gagne odeur.
l'aller accès côté que Jérôme a été obligé pas qu'à respirer pied Paul laver pied Paul laver plein avant que il rentre dans toute conversation. OK. Un homme comme ça apparemment il pas représente rien mais c'est ton cerveau, c'est ton spécial dans mes bon Dieu. Alors qu'il y a Paul qui a prêché physique Paul déjà servi au risible plus Paul qui a prêché en vérité qui vient servir encore pour un bâton pour faux prophète. Ça fait Paul te gagne plus tracas. Qu'il y a Satan attaqué Paul, là Paul a parlé mon Dieu voulait faire Paul comprendre, garder malin dans peu, garder ta. Bon mon gon malin qui même guérir tandis que mon va faire miracle. Vous connaissez l'homme dans c'est comme ça, il toujours chercher pour jeune un petit point de vue de eux-mêmes pour montrer l'évangile ou prêcher ou pas bon. Mais voulez pas voulez, faut nous bailler l'évangile là quand même. Ne pas compte sous prêt pour une musique pour nous, nous t'avons pour une pause musicale et nous avons attaqué cinquième point côté que Satan attaquait chrétien yo, les provoquer division en mi-temps yo. Satan attaquait chrétien yo, les provoquer division en mi-temps yo. C'est pour cela que nous jouons dans la prière sacerdotale Jésus-Christ est fondé. La retourner la propose musicale, la retourner et le tourner madame pasteur pour la grâce à vous. Papa, permet que prête dans cet esprit capable de chauffer pour arriver mille et juif millions. Malgré au fin de nuit, méchant baillé. Papa, montez pour moi, c'est quoi branchio? Tant pis, soublez papa, montez pour moi, c'est quoi branchio? C'est quoi la place?
vin ak tout moulo kompresè al pou délivrer petite li yo. Ou kanpe nan route la. Débarrer Jésus a passé pour vin délivrer. Papa, pasteur dans chant. Est-ce qu'on a dit ça que t'es inspiré à écrire chanson? Bon, c'est exactement chanson, c'est exactement une inspiration qui vient de Dieu. Amen. Et son chant que m'écrit tout sous vie Pam et sous vie tout le monde qui a traversé des moments difficiles à travers l'église. Et opérateur font travail extraordinaire, ingénieur, les vignes à musique là exactement là nous arrivé dans le 5e point pour nous montrer raison que Satan attaquait l'église. Amen. L'attaquer pour mettre division dans mi temps pour pas gagne monde uni. Eh bien en vie pas son exemple dans souffrance, dans épreuve, dans calamité et c'est une raison après sous deux albums ça nous toujours écrit Révérend Fort Augustin docteur en épouvologie, nous fait doctorat dans épreuve. Mais là on regarde façon monde a lutté, persécuté dans l'église. C'est là où tu as gagné la paix, repos, mais c'est là où tu as plus ennui et persécution. Quand il me dit, mon Dieu, mais toute grappe la vie moi qui paraît là, il n'y a pas qu'à mûr. Et c'est ainsi que mandé Jésus même pour bailler cet esprit pouvoir, pour chauffer la vie, pour fuir mi. Quand il y a pendant cet esprit fait miracle, là, l'ouvre porte là, et puis méchant barré nous pour ne pas monter, puis pour ne pas fuir. C'est là où tu as marché barré au cas où tu as pas l'eau mal. Tout côté le moun avèw et puis li gon kout lan pou le bay pour faire moun nan pas avant encore. OK, OK. Et puis li pa vle wè moun uni. Et ensuite, le Jésus même mandé le kounyan li même pou le monter bien bois pour secouer la gè fruit. Li monter le secouer fruit à terre, méchant ba ou pire nou pa ka ramasser. Kounyan lè nou toute façon que yo fè, yo barre nous, kounyan mandé Jésus pour le fond tunnel pour nous passer avec nous dans tunnel. Lè yo prend nouvelle Jésus fait tunnel pour nous, ça veut dire ennemi a pas chambre qui tout, li toujours ap mené enquête pour konn comment ap vive. Comment va yo yé pour? Quand là Jésus fait tunnel là pour passer avec nous, c'est temps de attendre là qu'on est fini avec nous, c'est temps de promouvoir, n'a progresser, n'a pas avancer. Quand yo chercher contre côté tunnel ça a sorti. Puis il barre nous pire. Ça veut dire méchant, c'est vouloir pas vouloir vivre. OK.
Satan, c'est ça le fait, l'attaquer nous pour mettre division dans le temps. Et c'est une des raisons de capable comprendre chance à nous graver ce deuxième album nous importance li. Et tout profiter du monde, tout monde qui t'a aimé gagner album, ça contacter nous et dans grande croisade pasteur Lavalas pour faire 6 7 8 9 disons 7 8 9 10 dans high school Spring Valley. Il a joué lui, il a joué l'album ça, son superbe album. Il est très 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 instructif. Eh bien, nous tomber dans 5e point nous dit Satan attaquer chrétien yo, il provoquer division parmi yo. C'est pour ça Jésus priait avec instance pour l'unité des disciples. Et pour qu'on verset ça dans mer. Côté Jésus-Christ a prié pour disciples réunis. Vous voulez les pour nous madame? Dans Jean 17 verset 11 21 et 23. OK, ça le dit. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. 21 à 23. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un, et comme je suis en toi, en nous, excuse-moi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Au lieu au passage là qui vraiment fort. Ça me remet dans Jésus. Là, on la Bible, où j'ai toute matière là-dedans. Où j'ai physique, où j'ai chimie, où j'ai mathématiques, algèbre, où j'ai toute matière là-dedans. Là, nous, il y a un secteur d'algèbre là-dedans. Quand elle dit A, B, C. A inclus en B, B inclus en C, C inclus dans A. Ça veut dire que Jésus-Christ fait une prière, il m'a dit papa pour tout le monde qui croit dans lui font seul. Amen. Ça me comprend là madame pasteur. Depuis c'est monde qui a prêché l'évangile t'a de un. Et c'est pas ça nous avons fait. Divergence de religion rend monde yo vinn met ton cacophonie dans l'évangile qui fait qu'on y a monde pas contre ça pour faire jeune monde pas contre dans qui l'église pour l'adorer, yo pas contre dans qui ça pour croire. Ça a campé sur réel titisti, il dit c'est tel côté pour camper pour bon. Ça vient avec telle religion, telle doctrine, nous parlons de cité noyo, les montres c'est ça que bon, c'est que Jésus, c'est dans la vérité. Et ça que nous voyons d'après la Bible, tout le monde qui campe sous religion ou dans le diable, c'est dans Jésus Bouchita. C'est la parole de Dieu seul. Parce que toute religion est fondée par des hommes. Et tout auteur, ça, il mourit, il n'est pas ressuscité. Mais Jésus-Christ mourit, il est ressuscité. Alléluia. C'est ça, Satan utilisé pour mettre confusion dans nous, pour créer division parmi nous, il met un paquet. Faux enseignement, il met un paquet de fausses doctrines, et puis tout le monde qu'on y a là, il y a une confusion totale dans qui ça a pris au coin. Mais Jésus-Christ, qui est omniscient, te connaît ça après le fait. C'est ça qui fait le fait prière, ça avant de quitter terre. Il dit, papa, moi quitter au dans le monde là. Moi, je pas dans le monde là encore. Je quitter au dans le monde là. Ma prière, même j'aimerais m'avancer, yon seul. Quitter moun sa, ba yo accès pour yo seul tout. Même j'aimerais m'avancer seul, ba yo accès pour yo seul tout. Pour yo capable konnen, pour moun ki pa ko accepter mieux konnen, c'est où que te voye, préparer yo, quitter yo pour faire travail là. Yo même nan ou, moi même nan ou, et puis moi nan yo, nous font seul. Mais pour qui ça jodi a, nous pas ka en seul vrai. Moun ki dit la Riel Adventiste, li pa bien Riel Baptiste. Où elle baptise pas bien où elle croit de Christ. Où elle croit de Christ dit pas bien où elle témoin de Jéhovah. Où elle témoin de Jéhovah dit pas bien où elle du Christ. Là dans le corps de Christ, il y a trois branches religion là-dedans. Dans le catholique là, il divisé en 50 branches. Pas de côté ça même nous pas compte combien branches qu'il a dedans. Son discussion de religion pam pi bon. Et tandis que Jésus-Christ dit tout le monde qui pour lui doit un seul. Un seul parce que son seul ciel, un seul royaume.
Gennex ou pas de passer dans même séminaire avec les pas bon chaise là quand il pas salue il pas le pasteur les gros chaises même dans l'église là aujourd'hui si il y a trois pasteurs il y a trois grosses chaises une pour petit pasteur une pour moyen pasteur une pour gros pasteur et pas que pas ça dans l'évangile et si c'est l'homme vrai que t'a bail monde mon social nous t'entraver nous pas d'avoir une place non n'a goumé pour faire effort pour aller il a goumé pour aller dedans et si c'est monde ça c'est l'homme qui t'a gagné accès pour bay moun place dans royaume là. Yo t'ap serré ciel ça tant que sinistré. Yo t'ap serré le même j'ap caisser l'argent la banque. Yo t'ap serré le même j'ap faire mal pépé. Yo pas t'ap bon accès pour joindre lui. Mais Jésus-Christ mandé pour nous faire une seule. Nous devons penser même gens, nous devons croire l'évangile là dans même voie parce que pas gain de Christ ou là avec moi. Amen. Eh bien, lui montrer que lui t'ai fait prière ça, son prière commandé que lui. Li mande pour nous réconcilier de bon cœur et son bagage qui doit faire rapidement une avec l'autre. Je dis à nous venir gang. Yo bagage encore fait mal, c'est là on invite au pasteur à l'église, vous voyez lettre là-bas où dit pasteur à l'église, on invite le au programme pour faire. Si pasteur a songé, li vinn pour col ou bien vinn à comme monde. Et la vinn à comme monde qui pas capable bailler offrande, monde qui pas même connait prier, pas même connait chanter. C'est pas tout, mais gon partie comme ça. Gè parti de pourtant de ou pral faire réveil, li gè réveil tout. Li pa même besoin kon circonstance ou gè réveil là. Est-ce que vous comprenez? Li pa bon, on nous tout mettre tête nous ensemble pour faire baio parce que Jésus-Christ mandé pour nous faire yo seul. Et si ou pa vle uni, c'est Satan qui a servi avec ou parce que li dit tout monde qui dans division, Satan mette ça comme attaque. Là nous garder dans 1 Corinthiens 3 verset 3 à 9. La Bible donne un exemple avant nous tomber dans 1 Corinthiens 3 verset 3 à 9, dans Matthieu 5 verset 24, il dit laisse la ton offrande devant l'autel et va d'abord réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Jésus-Christ tellement posé accent sur l'unité, il montre nous si nous dans discussion avec un frère, si nous dans division avec un frère, nous t'apprendre bailler offrande, il dit déposer offrande à côté, pas mettre dans plateau, pas du pas bailler non, à réconcilier frère là, l'on finit vite bailler offrande. C'est pour cela que nous avons essayé de comprendre les trois divisions en mitan nous, c'est Satan qui mette. Dans 1 Corinthiens 3, verset 3 à 9, il dit, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul et un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Selon le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'âme croit raison que Jésus-Christ priait le mandé pour nous unir, il y a toute importance. Ce n'est pas fanatique qui prend le fort pi chrétien. Le fanatisme, c'est une mauvaise âme que lié. Nous ne pouvons pas défendre nous pour pas fanatique. Chaque monde a accès, yo, chaque monde a style, yo, chaque monde a capacité pour attirer au monde. Mais Paul m'a donné leçon ça, il dit l'y planter, Apollos a osé, mais c'est bon Dieu qui fait grandir. C'est bon Dieu qui fait grandir. Ça veut dire que Satan lui-même, il faut fanatique au monde. Gen moun depuis le temps de ses frères tel ou soeur tel qui pral diriger service, li rete la ka li dit le pas aller. Malbay ami on leur gros ceux qui dit yon lot. On a le réveil là non. Tel pasteur qui a prêché, il dit ah, gen message li a déjà. Il dit oh, service ça pas qu'on fait tout gen message, comment gen message. Il dit non mon j'aime, j'ai pas gen chambre gen de message que son maintenant. Il dit toujours dou pendant la route là l'esprit bon Dieu changer message là. C'est somme 23, parce que c'est seul somme 23 qu'on est comme message. Là, ça, mon petit Jean-François, c'est me dit, est-ce que c'est pas un acte de pertinence pour mon provoquer un homme de Dieu, un serviteur de Dieu? Il me dit, mais je ne peux pas comprendre. Nous manquons, oui, dans la conversion. Il me passe, ouvrez aller avec moi pour me faire rester dans somme 23 pour le prêcher. Et puis, il a tombé, dit toute parole, prédicateur, qu'on répète. Il a une cassette dans la tête, il répète mot à mot. Langage serviteur, comme si son monde qui gon cassette qui par exemple changer. Il pas bon comme ça. C'est son non seulement son impertinence, mais son bon, nous capable dire son offense même à Dieu. Il pas bon pour vous conservateur de Dieu parce que quel que soit monde qui prêcher la parole là, faut dire mou joindre quelque bagaille là dans qui bon pour vous
parce que bon Dieu parlait à chaque monde pour bénir chaque monde. Ou gen doit pas ka comprendre langage ou monde, ou gen doit pas édifier dans monde mais ça pas dit pour rejeter pour ça. Paul ben nous reçoit nous c'est bon Dieu qui fait grandir. Ça veut dire faut éliminer ce qu'on appelle le fanatisme. On dit plus grand souci Paul pour l'église d'Éphèse, c'est dans chapitre 4 verset 3, il dit c'est pour nous conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est pour nous rester unis parce que c'est même cet esprit qui a géré l'église. C'est cet esprit qui mène l'église. C'est cet esprit qui a occupé l'église, c'est lui qui a fondé l'église. Si c'est même esprit ça qui a mené, eh bien nous devons rester unis ensemble. Sixième point d'attaque, Satan attaquer croyant yo, lui fait reconnaître que yo qu'a fait tête yo confiance, yo qu'a fait un bagage tête yo. Yo qu'a réalisé un bagage pourquoi yo. Nous pral joindre leçon ça dans 1 Chronique 21 verset 1 à 8. Malgré David son homme qui fait un pile exploit à bon Dieu, il fait un pile expérience et bon Dieu témoigne dit j'ai trouvé en David l'homme selon mon cœur. Mais David est arrivé au côté la chair montée qu'on y a voulu dépasser les bornes. Eh bien, le plus souvent, de pour arriver dans dimension, bon Dieu observe avant, moun commencer à honorer, à parler de vous et pour commencer à recevoir gloire pour tête. Qu'on y a là, ou ap bay tête ou honneur, ou vle faire sentir ou son affaire, ou ap prendre des décisions dans le ministère de Dieu, sans c'est pas l'esprit bon Dieu crevé l'eau, ou dit c'est l'esprit bon Dieu, eh bien, ou ka vin gen problème. Nous dit, David te gouverne Israël très bien, li fait en pile la guerre, et il t'a porté succès pendant plusieurs années. Mais, Satan qui besoin qu'on y attaque Israël, pour Israël pas porté succès, pour Israël prendre des fêtes, qu'on y a le passé dans David le dirigeant, l'exciter David pour le faire dénombrement dans Israël. Au lieu pour ta compter sur le Seigneur qui t'est habitué à la victoire, il oublier côté le dépôt de victoire devant Goliath lui-même seul. Kounyan, monsieur dit bon, faut moi le faire recensement pour me compter combien monde que me gagne dans pays là, pour moi combien soldats me gagne, pour moi combien que me cavoyer dans bataille. Nous dit que l'ordre ça pas de faire bon Dieu plaisir. 1 Chronique 21 verset 1 à 8. L'ordre ça pas de faire bon Dieu plaisir. C'est ainsi que bon Dieu pral frapper Israël. Ça me pas comprendre malgré ces pasteurs que mié, même toujours poser tête pour question. Pour qui ça parfois les dirigeants font bagaille, parfois c'est peuple qui paye. Question ça qu'on pose même tout à l'étude. Pour qui ça? Bon, pas pour réponse pour aujourd'hui. Mais on nous était sur sujet. Pour nous montrer côté que Satan attaquer croyant yo, l'elle fait au coin dans tête yo comme si ou ka régler un bagaille peut-être pas. Nous dit l'autre ça pas faire bon Dieu plaisir. David dit bon Dieu, on commet un grand péché parce que me fait ça sans que ou pas de bam l'autre pour me faire vraiment péché là. Me font bail qui pas ça. Mais me t'ai agi tant que monde qui perd du tête li. Mais avant David vienne prendre conscience pour le repentir, il était gain Joab comme chef l'armée qui pas d'accord d'après ça nous lit dans verset 3. Joab pas d'accord le David prend décision. L'église yo doit gagner des membres dans comité qui pour aider pasteur yo, le pasteur a tablé pour une décision que pas ça, le madame pasteur ou bien un président comité et président choral quelconque, ta prend décision que pas ça. Nous doit gagner des hommes et des femmes braves dans l'église. C'est pas des membres comité j'approuve non, monde qui pour venir qui pour dire ça a pas bon, ça a pas bon pour la marche de l'église, dit pas pour le progrès de l'église. Je vois pas d'accord. Joab dit David que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Kounia là, puisque le peuple a vite tombé d'accord avec David pour recensement fait, c'est là qu'on a péché pour tomber sur le peuple. Par exemple, si dirigeant a vu la combagay qui n'est pas biblique ou d'accord pour faire la partie marcher juste par flatterie, ou bien on dit parce qu'on a respect pour mes jours, respect pour mon comité, ou d'accord avec elle, mais quand on prend le pays prier ou même. De pour tolérer un monde font bagaille qui passe, on pas le courage pour dire ça l'a fait pas bon, on pas le courage pour dire l'a marché mal, et ben on paye prier. Mes secrets, mes raisons qui fait les leaders qui font erreur et puis peuple a payé pour lui. Peuple a payé dans place. Depuis leader font bagaille qui passe, ou elle passe, ou d'accord avec elle, on paye prier dans place. Et bien c'est ainsi que l'Éternel voulait parler avec et David, il dit David, mais ça m'a fait beau. M'a fait cadeau 3 ans côté que grand goût tombé dans pays, moun pa bien manger. Et David comme ça veut dire parce que l'ouest a arrivé à Samarie, côté moun a fait barbecue avec ti moun yo, moun a fond ti moun maintenant chaudière pour manger.
David compte sa sacrée les 3 ans de famine par l'Éternel. C'est l'Éternel qui bail la terre l'ordre pour la terre donner. Il dit qu'on m'a voyé 3 ans côté pas bien manger dans pays. Il dit David, m'a voyé 3 mois baou côté que m'bral détue n'importe nèg wal camper devant la calo, la touyer soldat yo, la touyer moun dans pays là. Ça veut dire m'a plagon en babé kidnapper, m'a plagon en babé zenglendo pendant 3 mois. Et ou bien m'bon 3 jours côté l'épée l'Éternel lui-même a vidé la peste dans pays là, la guerre fléau. Hey! David tant de bagage ça, David tant de 3 ans. Tendez ça l'Éternel dit 3 ans famine. 3 mois pour courir devant adversaire, 3 jours pour c'est l'Éternel qui a agi. Ou ka imaginer ça? 3 ans pour 36 mois. 3 mois pour 90 jours, 3 jours pour 72 heures. David dit mon cher, l'aime tant de bagage ça, puis tombe en bas de l'Éternel. Parce que l'Éternel a compassion, l'Éternel a pitié. Si je tombe en bas de l'homme, l'homme a fini avec moi. David intelligent, c'est alors que David rentre dans la conscience. Malgré David repenti, 70 000 hommes mourir en bas de peste. Gros anges, l'Éternel voyait dans 3 jours tuer 70 000 personnes dans le pays. Ça veut dire, le leader a marché mal. N'importe, l'homme dit leader, pas la pasteur, non? N'importe leader. Li met au président pays, li met au président choral, quel que soit depuis ses chefs dans l'administration, li met leader qui a balé top là. De pour faire bagay qui bal, bon Dieu a puni ou l'a fêté ou. Et si gen moun ki tolère ou là-dedans, l'a payé prière. Nous dit que en pile chrétien tombé dans bagay ça. Yo rempli ak parole bon Dieu mais yo pas metel en pratique. Salomon dit dans Proverbe 23, verset 5, confie-toi en l'Éternel ton Dieu et ne t'appuie pas sur ta sagesse. De pour mettre connaissance ou mettre force sur son possédé, diplôme ou gagné, l'argent ou gagné, gagné ou kap parle de li grand dègue, li même li compte sur l'argent. Gade, quel que soit son possédé, yon ti maladie ka détruit tout en un clin d'œil. Et tout chèl me wap fè, c'est pas non gaya, pas non vivant, pas non pas malade. Pas quoi que parce qu'on gagne l'argent ou pas respecter bon ou gagne connaissance passé pasteur ou te fait classe passé ou pas respecter soit où est l'Éternel qui devant le bon Dieu pour nous libérer le devant c'est pas n'importe bagarre c'est le bon Dieu qui choisit il te met pas de collier courbé ou fait toute classe qui gagne c'est courbé en bas protection mon Dieu mettre confiance dans mon Dieu mettre confiance dans parole que l'enseigne immédiatement on va mettre confiance dans parole serviteur ou servante mon Dieu à penser et bon tomber en bas obéissance Satan ou pour Satan courir. Là, nous allons comprendre, septième attaque Satan, c'est contre les croyants, il fait comprendre que ils sont capables de tomber dans l'hypocrisie. Et ce mon Dieu, papa. Hypocrisie, c'est plus gros bombe atomique qui existe dans l'Église. Et dans Matthieu 23, nous racontons que Jésus-Christ est lancé sept reproches. Il voit sept reproche ma hypocrite yon dans l'église. Moun ki soudoua, moun ki montre yon chrétien, tout de yon chrétien, mais en dedans yon c'est diable, bandit, assassin. Bouche ni l'parle en chrétien, mais sa kap sotan dans bouche ni a pas chrétien même. C'est yon dans bagay qui fait Jésus Christ vomi facile. Nous jeune ça dans Apocalypse, il dit sou tiède, m'a vomi ou. Jésus Christ pas d'accord pour le déguster hypocrisie. Je dis à nous, l'hypocrisie a fait ravage dans l'église. Vous n'avez rien à voir, ce n'est pas rien à briver. Vous n'avez pas de collade, ce n'est pas rien. Vous n'avez pas trop la pote au soudo, c'est pour qu'elle casse rien. Hypocrisie. Satan mettait la caille nous comme aux âmes pour détruire l'église. Il y aurait les bouts à couteau de bord. Ou quand vous avez gilette, vous gilette à étiqueter les chandelles, il y a 4 façades. Bon, ce sont les gilettes. Non seulement il y a 2 points en plus, 2 sous-côté. Il y a une dentelle qui a 2 façons de se blesser, tout ça, mais 6 faces. Il y a un danger pour lui. Il y a un dans l'église qui compte ça, son gilet, viré ou prend. Ou quand on est là pour bouter ou craser, nous faire tisingle, et pour s'y mettre de côté, waouh! Depuis que dans chita, et bien blessé. C'est ça qui est capable d'arriver. Satan utilise Zabza pour être capable de détruire l'église, l'hypocrisie. Luc 12, verset 1, il dit, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Réunion qu'on a faite, c'est sous dos, réunion faite. Comité fait sous dos. Assemblée générale faite sous dos. Des hommes réunis sous dos. Il y a mangé au bois, il y
y a mangé boire avant et puis y a pas l'eau mal et puis là yo joue nous homme d'aimer homme d'envie la paix avec hypocrite rate-moi dessoufflé zinglé bouteille. Ça a danger. Jésus-Christ dit nous pas qu'à comme ça. Si nous chrétiens n'a prêché l'évangile, nous pas qu'à comme ça. Nous pas qu'à des pasteurs hypocrites. Moi même temps pour vivre dans l'hypocrisie, à mon préfère pas de connons même. Et depuis me connons hypocrite, pas passer dans royal autorité parce que me pas vle gâté. Pas vle pourri, me vle sim dou yo bonjour, nous les saute dans entrain moi. Sim dou bonjour, les saute dans comme. Sim dit la paix avance, la paix saute dans mon Dieu parce que moi me bagne la paix. Hypocrisie fait l'église pas qu'à progresser, hypocrisie fait l'église pas qu'à avancer, hypocrisie fait l'évangile là pas qu'à fait ou pas. Ouais, l'église pas qu'à grandir, trop hypocrisie. Et moun peur entrer dans parmi hypocrites ça. Alors Romains 12 verset 9 il dit que la charité soit sans hypocrisie et ayez le mal en horreur, attaché fortement au bien. Si moi du m'aime, c'est pour m'aimer sans hypocrisie. C'est pas devant bien, derrière mal. Fin bon belle à colle pas la voix et puis virer sous dos. Ou fin manger moun dit manger bon couvir dit ou al dit l'autre moun manger salé, li pas bon. Ou fin dit bon bois de Michelbert et puis l'on rivo l'autre monde ou dit monsieur sur macaque moi comment l'habiller là ça pas de fait hypocrisie. Huitième attaque il dit Satan attaquer croyant yo les conduit yo vers la mondanité. Ça veut dire il fait ressembler monde. Je dis ou pas contre chrétien ou pas contre monde ou jeune chrétien il persédé li et monde en persédé toutes oreilles toute colle son paquet quoi que fait tatou en dans l'église moun dans gèl tout ou pas ka distinguer ni dans habillement ni dans parler ni genre chita ni dans ambiance ou kon ki la pou konn des filles surtout malgré c'est madame moi m'a dit ça kon ki la pou toujours dit ça c'est dans mariage pour konn son fille converti dans façon l'habiller façon cérémonie li façon extravagance et dans réception et dans réception pour konn combien chrétiens gant dans l'église dans réception mariage yo bon dieu pas d'accord ça non pour imiter monde dans ces deux bagages. Romains 12, verset 2, dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Et dans 1 Jean 2, verset 15, 17, il dit, n'aimez point le monde. Pas conformé au ensemble. Chrétien pas doit la mode. Chrétien pas doit la mode. Modèle pas vine pour, mode pas vine pour chrétien. Chrétien doit toujours rester consacré à lui-même pour servir mon Dieu, Jean que lui doit servir mon Dieu. C'est une raison de problème. Chrétien tellement à la mode kounye, il n'y a pas qu'à venir pour y habiller. Parce que Satan a inspiré moun pour faire modèle, ou même ou besoin d'un modèle. Kounye, panique. Pour nous terminer, pour aujourd'hui, dernier point, 9 points d'attaque là, c'est nous faut nous bon point d'attaque yo, pour raison, pour faire comprendre, pour qui raison ou besoin la ceinture de vérité. Satan attaque croyant yo, li pousse yo à désobéir la parole de Dieu. Bon Dieu, encourage nous pour nous fidèles à lui-même. Satan dit non, fort et fidèle. Bon Dieu voulait pour nous vivre dans la moralité, Satan dit non, faut immoral. Bon Dieu voulait pour nous vivre dans la vérité, Satan dit non, faut nous vivre dans le mensonge. Bon Dieu voulait pour nous aimer, Satan dit faut nous haïr. Bon Dieu voulait pour nous vivre entre nous, pour nous capables gain sacré l'aisance entre nous, le savoir vivre, Satan même dit non mon cher, ou qu'a fait toute bagarre, ou qu'a créé panique. La Bible voulait pour nous vivre dans la foi, Jésus voulait pour nous vivre dans la foi. Satan même dit non mon cher, comptez sur son gain. Alors, vous pouvez essayer de comprendre dans Luc 14, verset 31, il dit quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, il ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Ça veut dire, nous pas contre qui l'ennemi a attaqué nous. Nous besoin toujours habiller examen bon Dieu. Amen. Parce que nous pas contre qui le Satan fait mauvais flèche sous nous. Nous besoin toujours un verset sous bouche nous. Nous besoin toujours habiller avec l'évangile. Nous pas contre côté n'a tombé, côté n'a privé. Alors, nous camper là pour avoir aujourd'hui hein, et dans le prochain épisode là, n'a venir avec la ceinture de vérité. Pour nous expliquer, pour nous rentrer directement dans six âmes bon Dieu. Parce que on va le raison qu'il faut besoin des âmes. Parce que Satan il y a 9 points d'attaque pour l'élancer contre ou pour l'éliminer. Alors, ou besoin les âmes de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu aide. Alors, nous remercions tout le monde qui attendait nous. Et nous certains que l'émission fait chaud au cœur. Relez-nous, dis-nous comment recevoir l'émission à la carte. Contactez-nous. Ou ajouter dans fait émission, adresse-nous, téléphone-nous.
et sous tant de CD et DVD toute émission nous yo toute classe d'études que nous gagnons yo disponible supportez nous autant que capable afin que travail ça va faire course li que bon Dieu bénisse que bon Dieu aide yo. Yeah.